Je m'appelle Jean-François, je suis coordonnateur à la Maison des jeunes escapades de Val-Bélair. Je suis accompagné d'Alexandre, un jeune qui fréquente la maison. La Maison des jeunes escapades, c'est une maison qui s'adresse aux adolescents âgés de 12 à 17 ans qui veulent se rassembler d'un milieu agréable où ce qu'on peut développer plein de projets. Effectivement, une maison de jeunes, il y a des animateurs, des intervenants, il y a un conseil d'administration, mais en général, c'est les jeunes qui font vivre la maison. Donc, on est ici aujourd'hui pour Vertige sur le toit parce que moi, en tant que coordonnateur, puis je trouve ça important que les jeunes s'ouvrent à la culture, à l'art, puis leur montrer qu'il y a autre chose que dans la vie, qu'il y a des métiers traditionnels, puis qu'on peut aussi vivre de notre art. Puis c'est un peu ça pourquoi on est ici. Puis on trouvait que le projet était intéressant vu que c'était des organismes communautaires. Puis c'est ça, on a décidé de participer à cet événement-là avec le Musée de la civilisation.